Dernier finaliste dans la catégorie service là, Assoy a décidé lever un gros défi dans utilisation gaz alternative à distribution gaz. Lycée un leader dans conversion gaz propane comme gaz pour machine. On nous rencontré Aizan Renier dans BR Distribution. C'est une compagnie qui le bigaz là et nous avons un partenaire qui est Sébastien Buto, c'est nous deux qui avons l'initiative ça. Nous avons commencé en vente par BR Distribution. Ils sont une compagnie qui fait livraison pour et factory, l'hôtel, micro-centre, de vos besoins et propane. Et nous avons 6 ans de compagnie ça là. So, nous devons venir avec une initiative et pour convertir les machines en propane. So, c'est pour ça que nous commençons avec le gaz. Nous avons 2 stations pour nous. Nous avons une bisoto, Carrefour, et ça c'est la 2e station que nous faisons là. Où sortir la distribution gaz en gros pour aller vendre en détail? Ou prendre pile risque? Racontez-nous qui j'ai entreprise ou a évolué. Bon, dans tout business qu'on fait, c'est un risque. Nous-mêmes, comme nous avons commencé dans le propane au commencement, dans le camion, ça c'est un risque que nous avons pris que tout le monde dit que nous sommes fous quand nous avons commencé. Mais nous avons dérapé. Et un, pour l'environnement, c'est un bon bagage pour le propane. Deux, dans l'économie, en changeant en gazoline à propane, nous avons vu sauver un peu de gaz. Et bon, on peut parler avec n'importe quel chauffeur qui veut pour commander. Et bon, c'est aussi ça que nous devons prendre nous-mêmes. Nous devons faire un bagage différent que dans le commerce, dans l'importer. C'est important de faire différent. Dans le fond du riz, dans le fond du jeu de bagage, nous avons décidé de faire un bagage différent. Nous prenons chance. Qui sont pensés qui pigou défi pour machines qui peuvent utiliser propane en Haïti? Comment on capable d'assurer aux consommateurs que le système ça, son système qui gagne sécurité? Mon cher petit grand pibou, je vais décourager. Je vais monter parce que c'est un nouveau produit que nous avons venu avec. Mais je vais faire une famille quand même qui est très PDM avec des amis qui ont poussé, qui ont dit. Continuer pour lui. Nous sommes mon même mes partenaires, nous prenons nos bagages, nous décidons de faire nos cafés. So, c'était sa motivation nous devons prouver tout le monde qui te dit nous cafés là que nous des cafés. C'était ça vraiment comme ce nouveau produit et pour pas dans ce produit que tout le monde peut d'habitude qui pas vraiment un produit qui est tellement plus dangereux que gasoline non. Mais tout le monde toujours peur, so, il était toujours dit entrer là-dedans mais c'est ça. Un conseil de solennel de sécurité. Donc son série de pièces que nous installé dans la machine. Donc nous avons 3 dans la machine au total. Une qui est devant, qui est dans le capot, une qui est dans le tank directement et une nous mettons au milieu. Donc qui pour permettre que, quel que soit la fuite qui a gagné dans le tuyau qui sortit du tank, qui allait dans le convertisseur, pour couper le fonctionnement directement. C'est-à-dire que depuis qu'on a fuite gaz propane, le moteur n'a pas fonctionné. Qui gère remplacement gazoline avec propane capable de bénéficier à Haïti économiquement et puis protéger l'environnement? Est-ce que c'est facile pour te convaincre chauffeur et c'est qui tout? Là, pour un camionnette qui monte au bon, c'est la fumée seulement là-bas, il y a CO2 qui a un problème. Là, l'élevier en propane n'est pas la fumée sans encore. Je me bien aimé que vous avez un message à tout pour aider le pays, pour ne pas couper pieds bois, pour l'environnement, parce que tout le monde vit dans le même pays, dans tout le monde. Il faut nous faire partie de Haïti pour le monde. Chaque dimanche, nous avons fait nous faisons des classes pour les chauffeurs. Nous avons choisi dans les stations, nous avons 20 chauffeurs, 25 chauffeurs. Nous avons fait des classes pour eux. Pour que nous expliquions qui s'approprie, qui est l'avantage que le bail et tout le bail là-dedans. So, sur chaque 25 personnes par classe, nous avons dit que nous avons 5 à 6 personnes qui voulaient faire et qui devaient faire. So, le plus gros obstacle que nous avons dit vraiment, c'était pour mettre nos confiance dans le kit. Et pour le moment, là, nous avons dit que nous faisons commencer. Et nous avons au moins 350 et plus machines. Donc, je dis que nous passons obstacle ça pour le moment. Bien passé, Bordeaux. Je ne vais pas mentir. Les médecins de la gaz pour panne, sans de la gasoline, c'est des bagages différents. Auparavant, je vais mettre 100 de la gasoline, faire des voyages d'Elma avec. Quand je vais mettre 100 de la panne, 4 voyages par avelle. Le gaz pour mon installation là-bas est tête chargée net. 5e génération, je suis sous gasoline, viré sous propane après 5 minutes. Le bagage est tête chargée, bah est cute. Il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de mal même. Qui vision gagne pour croissance business pendant la prochaine année qui va venir? Nous sous 2 stations là en moins de 1 an. Et nous avons pris un peu de temps pour commander parce que nous avons commandé des kits, l'autre bois, tout le bagaille. Mais en 2018, nous supposons avoir 10 stations. Dans 10 stations, nous avons essayé de faire, maintenant que nous avons là, nous avons essayé de monter et aller en 2 heures pour nous. Nous avons plan pour nous faire 2 au Cap, 2 au Caï. Et nous avons fait une Gonaïve. C'est le premier que nous allons déraper. Et puis après ça, à la longue, nous allons regarder côté que demandons de plus.